MicroBit est une carte microcontrôleur très facile à programmer. Il suffit de connecter le MicroBit à l'ordinateur avec un câble pour transférer les codes qu'on a créés directement en ligne. On va commencer par créer un code. Pour ça, on va sur le site microbit.org et on clique sur « Allons coder ». On peut choisir entre « Make code editor » qui va nous permettre de coder en JavaScript, ou alors on pourrait choisir l'éditeur Python qui nous permettrait de coder en ligne de code. Mais nous, on va choisir le plus simple pour commencer, Make Code Editor. On peut créer un nouveau projet. Et on va maintenant créer le code. Une fois qu'on a fini de créer le code, on peut voir sur la partie gauche ce que donne notre code une fois qu'il sera transféré. Pour le transférer, on télécharge simplement le code sur l'ordinateur. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à introduire le code directement dans la carte en faisant un copier-coller. Code. Il se termine par .x, j'ai qu'à le copier et le coller simplement dans la carte MicroBit. Une fois que la copie est terminée, on peut voir directement sur le MicroBit l'effet. Il ne reste plus maintenant qu'à débrancher la carte MicroBit de l'ordinateur. Le programme reste dans la carte MicroBit, même quand on débranche de l'ordinateur. En fait, le programme va rester tant qu'on n'en est pas au nouveau.